Bonjour, je suis Jason de MagiFrame. Aujourd'hui, je vais faire une introduction sur la façon d'assembler les supports. Sur ce cerceau magnétique spécial MagiFrame. C'est pour la manche et aussi pour le pantalon. Ok, commençons. Si vous achetez le MagiFrame comme ceci, c'est pour la pochette. Et vous constaterez que pour les supports, il y a tant de trous. Comment choisir la position qui vous convient le mieux? Cette machine à broder est fabriquée en Chine. Nous prenons cette machine à broder comme exemple. Vous verrez. Nous assemblons les équerres de ce cerceau. Nous appelons cela la longueur de l'arceau. Et nous voyons d'ici à ici jusqu'à la barre. C'est la profondeur. La profondeur de la machine. La profondeur de cette machine est suffisante. Nous pouvons donc assembler les supports à partir du premier trou. Vous verrez quand nous montrons le bras. Vous verrez ici sous la barre. Il y a encore de la distance. Il y a encore assez d'espace. Nous montons les supports à partir du premier trou. Car la profondeur du bras est suffisante. Nous utilisons donc ce cerceau pour faire le pantalon ou la manche. Et cette zone peut être brodée. Cette machine est une sorte de copie de la machine brodeur PR. Et vous verrez que la profondeur de la barre est très petite. Si l'on assemble les supports à partir du premier trou, vous trouverez le problème. Nous le mettons sur la machine, vous verrez. Car vous voyez ici avec la barre du bras, elle est déjà touchée. On ne peut pas pousser dedans. Nous devons donc déplacer ces crochets d'ici à ici. Ok, maintenant c'est sur la position. C'est une position droite. Et ici vous verrez qu'il n'est pas touché. Donc la position des crochets. Cela dépend de la profondeur de votre bras. Si le bras est très profond, vous pouvez assembler les supports à partir d'ici. S'il n'est pas si profond, il faut ajuster la position des supports. Donc après l'assemblage, vous pouvez monter ce cerceau sur votre machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo pourra vous aider un peu sur la façon de procéder à l'assemblage des supports sur ce cerceau magnétique spécial MagiFrame. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le MagiFrame ou sur la manière d'utiliser le MagiFrame, abonnez-vous à notre chaîne. Nous vous apporterons plus d'informations, de compétences et d'expériences. Merci pour votre temps. À la prochaine fois.